Cascade de la Pisserotte, première. Alors chérie, qu'est-ce que tu penses de cette balade? Ça monte. Ça monte beaucoup? Oui. Mais l'équipe de Comme à la Maison est là pour vous faire découvrir des coins inexplorés, inconnus de l'homme. Non, c'est pas ça. Avance chérie. Ok, ça marche. Ok, bon bah, allons-y. Hein. Bon, on n'est pas clairement d'accord sur le sentier, mais là, il y a un point. Alors, comme c'est un peu merdique, on ne sait pas trop. On ne peut pas dire que la balade soit d'un intérêt extraordinaire. C'est dans la forêt. Ça fait des zigzags, mais hormis ça, c'est comme ça, quoi. Bon, donc là, on a décidé de redescendre, parce que franchement, se taper 15 bornes dans la forêt, en n'y voyant rien, c'est pas génial. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire en faisant une petite boucle un peu non académique pour contourner la cascade et redescendre par un autre endroit encore moins académique. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Donc, action numéro 2, on va essayer de trouver un sentier qui part légèrement vers la gauche pour rejoindre la cascade de la Pisserotte qu'on a contournée tout à l'heure. Parce que la chartreuse de Curière, malheureusement, ça fait long et on va pas voir grand chose. Là, vous remarquez que la nature a bien fait quelque chose. Nous avons donc une fourmilière qui est un peu en action avec quelques petites bestioles sympathiques. Allez. Il y a quand même des millions d'individus là-dedans. Ok, bon, on essaie de suivre le truc, je vous garantis pas la qualité des images, parce qu'il faut qu'on fasse vraiment gaffe qu'on met les pieds. Sachant que c'est vraiment craignos, donc... Alors là, en fait, tout à l'heure, on voyait pas la cascade, là maintenant, on la voit très bien. Elle est vraiment dans le creux. Et là, faut vraiment pas sauter. Hein. Tu la vois, la cascade? Elle est juste là. Hein. Tiens, tu me tiens la caméra, chérie, je vais... tiens, tu peux attendre... Garde bien la caméra à l'horizontale. Juste faire une photo ou deux parce que là alors je m'approche pas plus parce que si je m'approche je saute hein. Ok, bon bah allons-y hein. Ah oui, il y a des gorges, mais tu sais, ça doit être les gorges du Crossé là-bas. Vous voyez, là, les gorges qui s'enfoncent. Je pense que c'est les gorges du Crossé qui permettent de rejoindre Saint-Étienne-de-Crossé. Vous parlez du château, vous parlez des gorges, okay. Alors, ma femme parle d'un superbe château. C'est une église, chérie. Un peu plus loin, à gauche. Ah oui, on voit un château. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez. Ok. Bon. Et bien, on continue. Donc voilà.
Donc, comme vient de préciser ma femme, cher téléspectateur, elle m'a dit qu'il fallait que je lui fasse rappeler que la prochaine fois qu'elle me dit d'aller à droite, eh ben, il fallait passer à gauche. Et donc, en l'occurrence, voilà, là, on passe par des endroits, c'était pas trop prévu, ça. Hein. Ok, donc, eh ben, on continue. On va remettre la perche le maximum. Hein. Hop, hop, hop. Et puis, bah voilà, on va continuer. Hein. Alors, évidemment, c'est un peu glissant.